Salut à tous les parieurs, à tous les fans de pronostics, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, la France et la Ligue 1 au programme, je vais vous donner mes 10 pronostics, mes 10 points de vue pour les matchs de championnat. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 2000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 12 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisée, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinnacle en passant par Asian Connect où les cotes sont très intéressantes, vous avez le lien dans la description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, je le dis, je le répète, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. On attaque la journée 37 de Ligue 1, avant-dernière journée de la saison. Tous les matchs auront lieu ce samedi à 21h, un multiplex qui s'annonce énorme. Premier match, Angers reçoit l'équipe de Troyes, des Angevins qui ont réalisé une saison catastrophique. Lanterne Rouge est déjà condamnée depuis plusieurs journées. Seulement 15 points pris en 36 matchs, pire défense du championnat avec 79 buts encaissés. En face, l'Estac, même situation, direction la Ligue 2 pour les Troyens, match sans aucun enjeu. C'est difficile de donner un avis sur ce match, je penche plutôt pour un succès du SCO 2-1. Second match, Clermont-Lorient, encore une fois un match sans aucun enjeu. Deux équipes de milieu de tableau assurées de maintien mais trop loin des places européennes. Mon point de vue, succès des Clermontois, 1-0. Troisième match, direction Lens et le Stade Bollaert. Les Sangiors reçoivent une équipe d'Ajaccio qui va redescendre en Ligue 2. En revanche, pour Lens, l'enjeu est énorme. Ils possèdent 5 points d'avance sur les Marseillais. Une victoire contre les Corses leur permettrait d'assurer leur qualification directe en Ligue des Champions. À domicile, ils ont tout simplement les meilleures statistiques. Aucune équipe ne fait mieux cette saison. 49 points en 18 matchs. Les hommes de Frank Hayes ont réalisé une saison incroyable. Ils n'ont qu'une seule chose à faire, battre Ajaccio ce samedi et fêter cette seconde place devant leur public. Je pense qu'ils le feront sans trop de soucis. 3-0. Quatrième match, Lille reçoit Nantes. Cette fois-ci, on a un gros enjeu de chaque côté. Lille veut l'Europe, la cinquième place et même peut-être la quatrième. Ils sont qu'à 2 points de Monaco. Et en face, Nantes, situation très compliquée. 14 matchs sans victoire, une raclée en finale de Coupe de France contre Toulouse. Et également 4 matchs sans marquer le moindre but. Ils jouent leur maintien sur ce match, mais selon moi, Lille est beaucoup plus fort, surtout à domicile. 19 matchs sans défaite, 15 victoires et 4 nuls. Mon point de vue, je vais donner la victoire aux Dogs 2-1. Lyon, Reims, les Lyonnais peuvent mathématiquement encore accrocher la 5e place. Pour cela, il faut gagner les 2 matchs restants. Je les vois au-dessus de Reims pour ce match, 2-0. Direction le Vélodrome, l'Olympique de Marseille reçoit l'équipe de Brest. Des Marseillais qui ont quasiment dit adieu à la 2e place après leur défaite à Lille la semaine passée. Ils y croient encore tant que mathématiquement c'est encore possible. Victoire obligatoire contre Brest, je pense qu'ils tiendront leur rang de favoris, 3-1. Montpellier, Nice, on a clairement ici une équipe en forme depuis le retour de Derzakarian sur le banc d'entraîneur. Il reste sur un succès à Nantes 3-0. Ils affrontent ici une équipe de Nice qui, après une série incroyable, a clairement marqué le pas. Je vois un succès des Montpelliérains 2-1. Rennes, Monaco, très belle affiche. Des Rennais qui jouent la 5e place, des Monégasques qui jouent la 4e. Au niveau de la forme, je donnerai clairement l'avantage aux Rennais. Ils restent sur 2 succès, 5-0 et 4-0, tandis que Monaco reste sur une seule victoire en 5 matchs. Je vais donner les 3 points à Rennes sur le score de 1-0. Strasbourg, Paris, le Racing a réalisé une seconde partie de saison bien meilleure que la première, ce qui leur permet de quasiment être sûr de rester en Ligue 1 car ils ont 6 points d'avance sur le 17e. Paris, de son côté, n'a besoin que d'un point pour assurer son titre. Je vois plutôt un succès des Parisiens pour ce match, 3-2.
Toulouse-Auxerre pour conclure cette journée, match nul un partout avec un avantage aux locaux. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinnacle via le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinnacle. Vous avez le lien en description. Pour conclure, je rappelle que tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Bon pronostic. Ciao, ciao.